C'est le moment de pâtisser des sablés, je vous les propose en version couronne de Noël. Bonjour, je suis Cyril Rouquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. C'est une recette ultra simple. Je mélange de la farine, du sucre, des noix hachées, du beurre, un zeste de citron, de la cannelle, une pincée de sel, et je rajoute un œuf entier et le jus du citron. Je pétris jusqu'à former une boule homogène et je laisse reposer 2 heures au frais. Je divise ma pâte en deux. Sur un plan fariné, j'étale le premier pâton de pâte. Et je réalise un cercle qui fera la base de ma couronne. Avec le reste de pâte, je modèle des étoiles. Je les dispose sur ma couronne. Vous pouvez avec le reste de pâte faire d'autres formes, écrire par exemple Noël. Sur ma couronne, je rajoute des petits cœurs. Bon, j'ai fait quelques anges. Et je vais mettre tout ça au frais une heure avant cuisson. Amusez-vous à faire d'autres formes. La Saint-Nicolas, c'est pour bientôt. Un sapin, etc. Maintenant, enfournez votre couronne 8 à 10 minutes à 160 degrés. À la sortie du four, saupoudrez de sucre glace. Décorez quelques étoiles avec du chocolat blanc fondu et coloré. Et voilà, c'était ma recette de sablé en couronne de Noël. Si tu aimes la recette, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite.